3-0 contre Sunrise, après avoir le titre en Pouya Musanze, on peut constater que c'est le retour du rayon. Bah oui, le rayon espoir a été toujours ici. Certes qu'en championnat et surtout dans le football, il y a toujours des faux pas et ça arrive. Donc la défaite à Musanze, c'est ce qui devait arriver et arriver. Donc voilà, on s'est focalisé sur le prochain match qui était le match contre Sunrise. Donc, et Dieu merci, on l'a gagné à 3-0. Donc, ouais. Et tactiquement, tu peux nous raconter un peu ces 90 minutes. Bon, j'ai joué juste selon les joueurs que j'ai, selon les stratégies qu'on a travaillées toute la semaine. Donc voilà, je sais que vous allez parler de pourquoi j'ai mis Kevin sur le côté. Donc voilà, et c'est un joueur professionnel, c'est un joueur très intelligent qui va aider l'équipe, et avec son intelligence, j'ai préféré le mettre lui à côté que de mettre Luvumbu. Laisser Luvumbu au milieu parce qu'avec sa force de frappe, lui, il n'hésite pas à frapper, donc il sera à l'aise au milieu de terrain. C'est pour cela que j'ai alterné les deux, j'ai mis l'autre à gauche et Luvumbu au milieu. Et le choix des joueurs étrangers, aujourd'hui, tu as laissé encore Mugadam et Youssef. Un commentaire là-dessus. Bon, tu sais, j'ai une équipe d'une vingtaine de joueurs. Donc voilà, tout le monde ne peut pas jouer. Il y aura 20 et il y aura 18 après, il y aura 11 dans le terrain. Donc c'est à moi de faire les choix et d'assumer les choix aussi. Malgré ce qui va se passer, j'assume mes choix. Je vois ce qui m'arrange et je prends ceux qui travaillent aux entraînements là-bas. Donc il n'y a pas de cadeau, j'ai pas de cadeau à faire à qui que ce soit. Les meilleurs aux entraînements, c'est eux qui vont jouer. Donc voilà. Troisième match pour Tamale. Un commentaire à ses performances. On peut dire que c'est lui le premier gardien de l'équipe? Non, je n'ai pas de premier gardien. Moi, mon équipe, je mets dans leur tête que je n'ai pas de titulaire. Je n'ai pas de premier gardien. Moi, mon premier gardien et mes titulaires, je le vois au Skol Stadium là-bas, dans le terrain d'entraînement. Donc, je n'ai pas de titulaire dans mon équipe. C'est lui qui travaille, il est discipliné, c'est lui qui va jouer. C'est lui qui ne travaille pas, il est indiscipliné. Malgré qui il est, il ne va pas jouer. Ouais. Il y a des ondes aussi que le mercredi, c'est possible de jouer contre l'équipe de police. Êtes-vous prêt? Non, moi je ne pense pas que, peut-être que les gens sont en train de le parler, mais c'est impossible. C'est impossible. Et sportivement parler, et techniquement parler, c'est impossible. Parce que c'est abuser une équipe qui joue dans un mois, 6 matchs de football, c'est du jamais vu dans le monde. J'ai jamais vu ça. Donc, avec les voyages, je ne sais pas. Mais quand même, je ne vois pas qu'ils feront match le mercredi. C'est inadmissible. Parce que là, certains, j'ai des joueurs qui ont des crampes dans les matchs. Donc, voilà. Donc, c'est impossible quand même. C'est impossible. Merci. Merci beaucoup.